Au Tchad, les statistiques montrent qu'au niveau national, et même au niveau d'N'Djamena, au niveau avec le laboratoire d'anatomopathologie du CHU de l'hôpital de référence nationale, on dénombre plus de 300 cas de cancer. Ces cas de cancer interviennent généralement à un stade très avancé et parfois insusceptibles de tout traitement. C'est pourquoi il y a lieu que les acteurs du système de santé intensifient davantage leur action en matière de prévention et de diagnostic précoce du cancer afin de proposer une thérapeutique adéquate et adaptée. Je m'en vais remercier tout particulièrement la première dame, Madame Hinda Deby Itno, initiatrice d'Octobre Rose, qui rentre dans le schéma national de lutte contre le cancer dont les gestes a retenu notre attention et celle de la communauté internationale. Aussi, l'occasion de la célébration de cette journée me donne l'opportunité de saluer l'engagement et la vision du président de la République, le Marshal du Tchad, président de la République, chef de l'État, qui a pris sur lui la responsabilité de porter à bras le corps les questions de santé publique par des prises de position, des orientations et actions concrètes en la matière.